me retrouve depuis peu en fauteuil roulant et j'éprouve vraiment des difficultés à me débrouiller tout seul dans ma cuisine. Qu'est-ce que vous pouvez me conseiller? Alors, vous avez des difficultés pour être autonome dans votre cuisine. Oui, tout à fait, oui. J'imagine qu'une de vos premières difficultés, c'est d'accéder au rangement. Alors, c'est vrai qu'en fauteuil, vous avez des difficultés pour accéder au rangement en hauteur, mais aussi pour accéder au rangement bas. Alors, c'est vrai qu'un des premiers conseils que je peux vous apporter, c'est d'essayer d'organiser votre cuisine différemment pour que tout se trouve, tout ce dont vous avez besoin, en tout cas quotidiennement, se trouve à votre hauteur, donc dans un petit périmètre, D'accord. ni trop haut, ni trop bas. OK. Alors, ça demande à réorganiser. Vous pouvez continuer à ranger des choses en hauteur ou bas pour d'autres membres de votre famille, mais il faut que ce soit des choses dont vous n'avez pas besoin tout le temps. Oui, c'est vrai que ma femme a l'habitude de ranger les assiettes en hauteur et j'arrive pas à y accéder en fait. Voilà, donc les verres, les assiettes, ce dont vous allez avoir besoin quand votre femme n'est pas là, vous pouvez les mettre à votre hauteur et vous pouvez continuer à ranger, par exemple, les grosses casseroles en hauteur pour que votre femme puisse y accéder quand elle en a besoin. Un des autres conseils qui va être important, ça va être de préférer les tiroirs au placard. Parce que si chez vous, vous avez des placards, vous devez avoir la difficulté. C'est vrai qu'un placard, il faut tirer la porte pour avoir accès aux choses. Avec un tiroir, vous avez directement accès aux choses, sans avoir à aller tout au fond. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'avec le placard, j'arrive pas, je suis bloqué en fait. Voilà, la porte vous bloque. Ça sera beaucoup moins difficile pour vous avec un tiroir. Pareil pour les tiroirs à bouteilles. D'accord. C'est des choses très classiques, mais là, les bouteilles sont directement à votre portée. Si vous avez besoin d'une bouteille qui est au fond, elle est à votre portée et vous n'avez pas besoin d'enlever les premières bouteilles pour y accéder. Dans les solutions un petit peu plus conséquentes, vous avez des placards qui vont être variables de façon électrique, comme celui-là, Ah, d'accord. qui se baisse à l'aide d'une télécommande. Mais en fait, une fois que j'ai trouvé la hauteur qui me convient, pourquoi le bouger à nouveau? Alors, le bouger, ça peut être pour que ça convienne à tous les membres de votre famille. En position basse, il va vous convenir en étant en fauteuil roulant, mais ça sera peut-être une gêne pour votre femme pour accéder à D'accord. l'évier ou à la OK. plaque de cuisson. Ouais. Et puis, au niveau du point d'eau et au niveau de la plaque de cuisson de gaz, ça sera un petit peu trop près et ça risque d'être une gêne. D'accord, très bien. Ce que je vous propose, c'est d'essayer les tiroirs, comme ça vous pourrez vous rendre compte par vous-même. OK.